Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Alors dans cette vidéo, parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini, enfin je pense encore moins deux vidéos après celle-ci pour terminer le projet, mais en tout cas bon, au moins une vidéo après celle-ci, ça c'est certain. Alors la dernière fois, vous vous souvenez, on avait bien évidemment euh, fait en sorte que notre texte se transforme en HTML de façon à ce que, eh bien, on, quand on l'envoie WordPress ou n'importe quel autre CMS hein, comme Wix, etc. ou Joomla par exemple, puisse travailler et avoir l'information dans son langage de programmation et donc pouvoir vous restituer les titres à la place des titres et les gras à la place des gras par exemple. Donc on a tout ça qui est opérationnel pour l'instant. La seule chose qui nous manque c'est l'image, c'est ce qu'on va voir dans ce tuto et puis la prochaine fois on verra comment est-ce qu'on envoie tout ça. D'accord Ok, bon, pour ça, alors c'est très simple, on va s'intéresser à l'image. Alors pour l'image, on va créer deux petits éléments. Alors je vais le faire juste au-dessus du bouton formatage ici euh, pour une question de cohérence. Mais après, vous le mettez où vous voulez. Donc ici, on va mettre image, par exemple. Et pour l'image, on va avoir besoin d'un bouton image. Donc on va faire BTN image, par exemple. Égal, donc c'est toujours du tkinter et c'est toujours un button. Ça, ça ne change pas. On va le mettre dans fenêtre. Parfait, on va lui mettre un texte. Vous voyez, c'est pas plus mal de mettre un texte. Ici, je vais lui mettre un petit texte tout simple en disant que c'est euh, ajouter une image. Voilà, et on va mettre un commande. Et ici, on va lui mettre ouvrir, tout simplement. Voilà. Parce qu'on va devoir effectivement effectuer. Une ouverture hein, pour aller chercher un fichier image et puis ici je vais lui mettre un label image par exemple d'accord pour afficher mon image tout simplement donc euh, bah, dans un premier temps on va donc dire que c'est du tekinter point label forcément euh, que ici on va lui dire que c'est dans fenêtre qu'on veut l'afficher c'est parfait et que on va lui mettre un bg euh, égale euh, bg pour l'instant. D'accord Donc c'est-à-dire qu'on récupère le background color un peu grisâtre que l'on a là pour l'instant. Et euh, on va voir justement si ça va. Alors on va faire ici notre fonction ouverture. Alors fonction ouverture on va la mettre à la suite tout simplement. Je vais cacher un peu ça parce que sinon c'est le bordel. Voilà. Donc là on est bien. Donc def euh, ouvrir. D'accord Ici. Je ne mets rien ici, tac, et ici, donc, on va mettre passe pour commencer. On va vérifier que notre fichier et que notre programme existent toujours. Voilà, donc c'est bien. Ah, Je n'ai pas paqué mes, mes deux informations, vous voyez. C'est rapide. On voit tout de suite si on a fait une erreur ou pas. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire pendant les tutos parce que, bah, forcément, on discute, on discute, mais on oublie de faire les choses. Donc ici, hop, on va mettre image. Voilà, ici on va faire un point pack et je vais mettre un petit pas y de 15 par exemple là et ici pareil et on va faire un pas y de 15 aussi. Voilà, on va pas s'embêter, très bien, le but c'est pas de faire du graphisme maintenant, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui s'affiche ici. Parfait Donc ici, vous voyez, ça fonctionne bien. Alors évidemment, euh, quand on affichera notre image, ici, ça va sûrement se décaler. Hein. C'est le principe du pack. J'aurais pu mettre une hauteur maximum, mais pour l'instant, ce n'est pas le but. D'accord euh, Voilà Donc là, on a ce qu'il nous faut pour bien commencer. Et on va pouvoir donc aller travailler dans notre ouvrir. D'accord Donc bah, là, forcément, euh, on va faire quelque chose que vous connaissez bien. Euh, je vais rajouter ici... Un élément supplémentaire, c'est le file dialogue que vous commencez à connaître maintenant, qu'on va pouvoir utiliser tout de suite dans par exemple ouvrir fichier égal. Donc on va faire euh, file dialogue. On va le mettre directement en file dialogue puisque je n'ai pas besoin de passer par tekinter cette fois-ci. File dialogue. Euh, alors on va faire ask. Open File Name. Voilà. Et ici, on va lui mettre les petites informations basiques, comme par exemple le titre. D'accord Et le titre, ça va être quoi Eh bien, ça va être tout simplement euh, ouvrir l'image. On va mettre charger une image. Parfait, et ici on va lui faire des file types. Donc ici file types. Donc comme d'habitude ça va dans une liste puis avec des tuples. Dans le premier on va mettre jpeg, donc j -P e g euh, fichier, image. On lui définit que c'est comme ça qu'on le veut, donc euh, .jp décidément. JPG, ici on va lui mettre un deuxième tuple. Ce tuple on va lui mettre tous les fichiers. Voilà, voilà. on va pas détailler toutes les images, hein. évidemment j'aurais pu faire un petit peu tout, tout le reste. Voilà, mais ici on va mettre euh, voilà, tout. Voilà, comme ça même si ce sont des fichiers qui ne sont pas images, ça en apparaîtra ici. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va faire euh, en sorte que si fichier ouvrir égale rien, c'est-à-dire que si on fait, si on clique sur annuler, d'accord Si je clique ici et que je clique sur annuler, du coup, le chemin d'accès sera vide. Du coup, il ne faut pas que j'ai de messages d'erreur. Du coup, on va faire if euh, ouvrir fichier euh, égale du coup. Rien alors passe. D'accord On ne va pas aller plus loin là-dessus. Par contre, maintenant, on va pouvoir faire plein de trucs, comme notamment un else. D'accord Et c'est là qu'on va devoir faire des choses. Alors, quel est le but Eh bien, le but, c'est tout simplement de récupérer l'image. Je pense qu'on est bien d'accord. Et de l'afficher dans notre petit endroit euh, ici. D'accord Dans notre carré. Ok, ce qui est un label. Donc, ici, on va tout simplement ouvrir une image et pour ouvrir une image je vous rappelle qu'il faut passer ici par une nouvelle euh, bibliothèque qui s'appelle PIL, d'accord donc on va faire euh, from pile pi ne faut pas le mettre de majuscule pardon import et donc ici on va faire quoi euh, image parce qu'on va en avoir besoin et puis image TK pour pouvoir le mettre effectivement dans Tekinter. On aura besoin de ces deux bibliothèques. Parfait, ces deux modules. Donc maintenant ici, on va tout simplement faire un fonc image. Fonction image en fait. Hein. Image égale. Et donc ici, on va lui dire image.open. Et là, on va chercher donc le lien, entre guillemets, l'adresse du fichier que l'on va ouvrir. Ben nous, c'est dans Ouvrir fichier. D'accord Ouvrir, décidément, fichier. Très bien, donc là notre image est ouverte. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, on doit tout simplement la redimensionner parce que bah, évidemment si c'est une image qui fait euh, qui est en, en 4K, euh, parce que bah, aujourd'hui on a tous des téléphones et des, 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 des appareils photo qui font des photos magnifiques, 4K, 8K, etc. Euh, voilà, moi j'ai un téléphone, ça fait quelques années qu'il qu existe, 3, 3 ans déjà et il fait du 8K, donc vous imaginez un petit peu euh, que aujourd'hui, les téléphones d'aujourd'hui doivent faire beaucoup plus que ça. Je ne sais pas trop, d'ailleurs j'ai pas trop suivi l'actualité. Donc on va réduire l'affichage de notre image uniquement pour euh, Tekinter. D'accord, ça, ça n'aura pas d'impact sur la qualité de votre image ou même sur votre image en elle-même. Ça va juste en fait réduire la taille de l'affichage ici euh, en 100 sur 100. D'accord le, le but c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que bah, on, on, je vois pas l'intérêt d'afficher une grande image ici qui va faire 800 sur 600 ou plus éventuellement. Hein, moi ce que je veux ici, c'est bien que bah, j'ai un petit aperçu pour être sûr que ce soit la bonne image. D'accord Donc finalement, on n'a pas tellement besoin de plus. Donc pour ça, on va faire un petit, une petite variable qui va s'appeler size dans laquelle on va mettre la taille que l'on veut donc nous on va faire 100 sur 100 par exemple euh, je la mets dans une variable à part parce que je me dis que ce sera toujours plus simple un jour si j'ai besoin de le changer de récupérer la variable d'accord mais en attendant il n'y a pas besoin donc ensuite on va resizer le tout donc euh, redimensionner entre guillemets donc pour ça on va aller faire func image d'accord point resize euh, resize c'est ici d'accord et ici, on va tout simplement lui donner les informations qui sont importantes, comme notamment, eh bien, size. C'est-à-dire qu'en fait, on dit tout simplement à, euh, la, à, que, que l'image, que en fait, hein, qui est en fonction image, eh bien, elle va être redimensionnée à 100%. D'accord Tout simplement, euh, voilà, grâce à ceci. Et donc, notre nouvelle image, en fait, font qu'image, en fait, c'est resize. Maintenant, ce sera une nouvelle image. En gros, si vous voulez comprendre comment ça marche, eh bien, vous imaginez que, il a créé une nouvelle image plus petite, c'est tout. D'accord Il a gardé l'original et il a créé une copie plus petite. D'accord Donc euh, voilà, c'est juste pour l'affichage évidemment. Donc maintenant, on va pouvoir euh, tout simplement transformer euh, cette image en image TK, qu'elle puisse être incluse directement dans une, un widget tech inter Donc on va faire par exemple img, ok Et donc on va faire euh, image TK. Et dans le module, on va tout simplement lui dire qu'on veut, nous, l'image qui est resize. D'accord A partir de là, normalement, tout devrait bien se passer. Il ne nous reste plus qu'à faire un label euh, image.config. D'accord Ici, vous connaissez le principe. On va marquer image égal, égal pardon. Hop, ici. Et euh, je veux lui dire, donc, il s'appelle img. On va faire un test. Tout simplement pour voir si ça marche. Ici, donc on va faire ajouter image. Ajouter image, on va prendre celle-ci par exemple. Je mets et j'ai un petit problème. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il me dit Le module est non collable. J'ai dû oublier de faire quelque chose, c'est pas grave, on va regarder ça vite fait. Alors, voyons ça, qu'est-ce que j'ai pu oublier Ah oui, oh bon. forcément, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais en ce moment, c'est la fatigue sûrement. Donc ici on est sur point photo image. Alors, je, voilà, photo image, il est là. Hop. Donc on a bien image.photo image, c'est ça. Il hein, faut apporter le, le bon module. Resize, ok. Donc on va faire une vérification maintenant. Il est toujours open. On va fermer. Et on va réouvrir. Voilà, magnifique. Et donc on ajoute notre image. Alors déjà, si je ne fais rien, il ne met pas de message d'erreur, c'est bien. Et si je choisis une image, je pense n'importe laquelle, celle-ci, il ne m'affiche rien du tout. Donc, pourquoi ne m'affiche-t-il pas mon image Ah oui, ça, c'est tout à fait normal. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, on a un petit souci euh, avec euh, Tekinter, d'accord Tekinter, lui, est pile pillow d'accord En fait, ils ont un petit souci, c'est qu'en réalité, alors je sais pas pourquoi j'ai un n ici, mais en réalité... Ici euh, j'ai euh, euh, un il faut qu'il conserve le fichier euh, image, etc. etc. D'accord? S'il ne le conserve pas, eh bien, il va avoir un souci. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas dans la fonction, ça marche, mais à partir du moment où il est dans une fonction, il tombe comme sur une espèce d'image en local, entre guillemets, et donc forcément ça ne va pas. D'accord donc nous, ce qu'on va faire ici, on va lui mettre un global pour le coup. Donc on va mettre euh, global IMG. C'est bien la global là que je dois sortir. Voilà. Et donc à ce moment-là, du coup, il va garder une trace de ce que je lui demande de faire ici. Et donc forcément ça va fonctionner. Mais si jamais je ne le mets pas en global, étrangement, euh, sur Tekinter, j'ai remarqué ça, ça ne marche pas. D'accord Quand vous travaillez sur euh, d'autres logiciels, ça marche très très bien sur du graphisme, mais sur Tekinter, il y a un petit souci. On l'affiche et on a bien ici notre image. Voilà. Donc ça nécessiterait qu'on ait... Euh, un truc un petit peu plus grand, ici, donc euh, on va mettre 900 sur 900, comme ça, bah, pour l'instant, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. On va reprendre notre image et on va faire ceci. Voilà, alors vous allez me dire, waouh, c'est un tuto qui a été super rapide. En fait, pas tant que ça, non, parce que les enfants, il n'est pas fini ce tuto. En effet, vous remarquerez qu'il y a un petit souci si vous essayez de mettre une image supérieure à 2 mégas dans WordPress. Il va vous mettre tout simplement une belle erreur. Voilà, parce qu'en gros, il reprend depuis quelques années maintenant eh bien, toutes les images et il vous dit, bah, cette image par exemple, tu ne peux plus la télécharger parce qu'elle est trop lourde. Alors qu'avant, on pouvait mettre des gros fichiers. En réalité, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié au fait que... Euh, tout est SEO aujourd'hui tout est référencement et c'est comme ça d'ailleurs que chacun fait pour avoir de l'audience sans audience sans référencement, pas d'audience. Et pour qu'il soit bien référencé par les moteurs de recherche, eh bien par exemple Google ou Bing ou n'importe qui, eh bien ils se disent, tiens, ce site, il est intéressant, il a l'air d'avoir des tas de sujets, il y a des bons mots-clés, il y a des images, etc. Ah, mais quel dommage, il met plus de 400 millisecondes ou une seconde à s'ouvrir. Ah, zut alors, bon, bah, c'est pas grave, je vais moins bien le classer que l'autre, il y a peut-être moins bien de contenu, mais il est plus rapide à ouvrir. D'accord Donc, c'est pour ça qu'en fait WordPress vous oblige à avoir des images beaucoup plus petites. Même 2 mégas, c'est beaucoup. Hein, mais comme pour l'instant la limite est à 2 mégas, eh bien, on va faire en sorte que notre image, si jamais elle est plus lourde que 2 mégas, eh bien, on la convertisse jusqu'à ce qu'elle atteigne au moins 2 mégas au plus de mégas. D'accord Donc, pour faire ça, eh bien, on va réduire la taille de notre image. D'accord Donc, ici, normalement, tout va bien. Euh, voilà, pas de soucis. Donc euh, pour l'instant, là, ça ne nous gêne pas, puisque vous avez vu, on travaille juste finalement pour afficher l'image dans TechInter. Donc là, il n'y a pas de problème de poids d'image. Mais maintenant, il va falloir récupérer, entre guillemets, le chemin d'accès du fichier. Pour l'instant, il est dans Ouvre fichier. D'accord, c'est ça qui, qui me dit que mon fichier euh, image est dans tel ou tel euh, dossier. D'accord, donc jusqu'à là pas de souci. Euh, le seul truc quand même qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement quand vous allez devoir envoyer votre image, eh bien vous allez devoir réfléchir est-ce que mon image, elle fait plus de 2 mégas ou moins de 2 mégas? Je vous rappelle évidemment que quand j'ai créé ce, ce petit logiciel à la base, la première fois que je l'ai créé, eh bien, c'était pour quelqu'un qui n'avait pas envie de se fatiguer avec des paramètres inutiles, etc. Donc, on va faire en sorte que, effectivement, euh, ce programme convertisse l'image pour qu'elle puisse passer sans aucun souci. D'accord? Donc, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser un simple, une simple librairie qui va nous dire, bah tiens, euh, on va vérifier le poids de l'image. Première chose à faire, vérifier le poids de l'image. Deuxième chose, on va convertir le fichier et la qualité euh, progressivement, hein, pas l'abîmer d'un coup, mais progressivement, on va lui faire perdre 10, 15, 20%. Et puis, au fur et à mesure euh, des boucles, tant qu'il n'atteint pas euh, le, le seuil de 2 mégas, tant qu'il est au-dessus, bah en fait, ça continuera de boucler. Et à partir du moment où il est en dessous de 2 de, de mégas, bah, on lui dira, bah stop, tu arrêtes parce que ça doit passer. Et donc dans ce cas-là, on va récupérer l'adresse de la nouvelle image compressée. Et donc on va pouvoir euh, faire ça tout simplement. D'accord Donc ici, on va importer un nouveau module. On va faire un import, import pardon, OS. Euh, voilà. Donc euh, bah, tout va bien. Magnifique. C'est génial. Alors juste un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure. Ici, si jamais euh, vous n'avez pas fait avec nous et avec moi les différents projets qu'on a vus, les cours ensemble, etc., il faut que ici vous fassiez euh, pip install et pillow. D'accord vous faites ça, et normalement, là, vous devriez avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Moi, chez moi, c'est déjà là, c'est déjà bien. D'ailleurs, on me dit qu'il y a une nouvelle version de pipe ici qui existe, donc bah, je la mettrai à jour tout simplement. Il suffit de taper cette ligne de commande, et là, vous allez pouvoir mettre à jour votre pipe. D'accord euh, On verra ça une prochaine fois. À l'intendant, eh bien, on est dans le tuto là, donc voilà. Si jamais euh, vous, vous aviez un Problème par rapport à ça, et eh bien c'est tout simplement parce que je vous ai pas dit que vous deviez installer la librairie, mais en fait, comme on est déjà beaucoup dans les tutos travaillé sur les images, je suis que vous l'ayez d'accord. Par contre, effectivement, ici un port OS il fait partie directement de Python, donc vous n'avez pas besoin de l'installer, faut juste le déclarer. Une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir et eh bien trouver la taille de l'image, donc on va faire taille image, d'accord, et on va lui dire au. Euh, oh, S. Alors OS en fait c'est Operating System, d'accord, et l'avantage de ce petit module, c'est qu'en fait il va correspondre tout à fait au logiciel que vous utilisez, Windows, Linux ou Mac. D'accord Peu importe finalement. Lui il s'en fiche, d'accord Il va aller chercher, il va interagir directement avec votre module, votre Windows, votre Mac ou votre Linux. Du coup, c'est plutôt pratique, d'accord Donc ici, nous on va faire os. D'accord, ça veut dire qu'il va euh, chercher en fait le le pass, c'est-à-dire le chemin d'accès entre guillemets. D'accord, on va lui donner le chemin d'accès et on va lui dire ce qu'on veut de ce chemin d'accès. On veut get size, d'accord, get size. Voilà, il me le trouve et ici on va lui donner donc le chemin d'accès. Notre chemin d'accès, nous on l'a, c'est ouvrir fichier, d'accord, euh, décidément ouvrir fichier. Voilà. Et donc ici, il va trouver tout cela. Et d'ailleurs, on pourrait faire un test pour voir. Ici, par exemple, on pourrait faire un print et on va faire taille image. D'accord On va en imprimer une ou deux pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Image, d'accord Et donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc, première chose que l'on va faire, on va faire comme ça. On va donc afficher une image. On va prendre celle-ci, par exemple. Je fais ouvrir. Et donc ici, il me dit que cette image fait quasiment 2 mégas, mais elle fait pas 2 mégas, d'accord Maintenant, on va ouvrir une nouvelle image et on va prendre celle-ci. Je sais que celle-ci fait plus, d'accord Et hop, ici, vous voyez, elle fait presque 5 mégas, d'accord Donc, on récupère bien, en fait, la taille de notre image. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, eh c'est tout simplement le définir que si ta image est supérieure à 2 millions, et eh bien, dans ce cas-là, tu... Euh, Raccourci un petit peu la qualité de l'image. Ok Tu abîmes, tu dégrades un peu l'image. Mais euh, on va pas la dégrader dans le sens où on pourrait simplement la raccourcir. D'accord Par exemple, si elle fait 1000 sur 1000, bah, on pourrait dire bah, tu fais 800 sur 600, 800, par exemple. Parce qu'en réalité, c'est bah, toujours bien d'avoir une grande image. On va commencer simplement à lui enlever des petites caractéristiques qui pixeliseront légèrement. Mais en fait, ça se verra pas. Et puis sur Internet, n'oubliez pas que plus de 60% des gens qui surfent sur Internet aujourd'hui surfent sur un smartphone. C'est pour ça qu'il faut des images. Ultra légère et plus elles sont légères, mieux c'est. Mais évidemment, quand on prend une photo avec un smartphone ou un appareil photo numérique, bah, on se retrouve avec des photos qui font 10, 12, 15, parfois même plus de, 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 de poids hein, de, de méga. Ok, donc là, qu'est-ce que nous allons faire maintenant Eh bien, on va tout simplement faire un while, d'accord Donc, ici, on va le faire tant que image. Donc, notre image à nous, c'est taille image. Taille image. Euh est supérieur à 2 millions du coup. Alors attention parce qu'on est en méga on est en octet, d'accord Donc là, on doit être en, en, en méga octet tout simplement. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va lui faire faire Eh bien, on va d'abord sauvegarder l'image, enfin plutôt faire une copie de l'image et travailler sur la copie. Parce que bah, j'imagine que si vous avez pris un cliché, euh, une photo magnifique, extraordinaire, vous n'avez pas envie que cette photo soit abîmée parce que vous allez la réduire, d'accord Juste pour l'envoyer sur Internet. Donc on va faire une copie, et on va travailler sur cette copie. On travaillera sur cette copie uniquement si l'image de base fait plus de 2 mégas. D'accord Donc on va créer une copie, donc pour ça on va faire euh, euh, ici créer une copie. Et à partir de là, donc, on va pouvoir le faire simplement en faisant par exemple fonc image save, D'accord. Et on va le sauver où Eh bien directement dans notre dossier où il y a le programme. On s'en fiche à la limite hein, et peut le sauver où il veut. Mais c'est vrai qu'autant le sauver directement dans le dossier où il y a l'image. Et puis on va lui donner un nouveau nom. Donc ce nouveau nom, par exemple, on va faire euh, je sais pas moi, image euh, article. Et temp pour temporaire, d'accord Ok. Et on va lui mettre .jpg. Je pars du principe évidemment que vous travaillez sur du jpg, d'accord Sinon, vous, vous pouvez convertir tous les formats en jpg et voir ce que ça donne après. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est pas prévu dans ce programme. Vous pourrez éventuellement le faire. Parfait. Maintenant que c'est fait, eh bien, oh, bon, vous pouvez profiter ici, tiens, pour changer la qualité de l'image, déjà lui réduire quelque chose, donc on va faire une qualité euh, égale 80, d'accord, 80%, donc on va déjà perdre 20%. Donc c'est vrai que si elle fait 20 5 mégas par exemple, et bien on imagine bien que si on perd dès le départ 20%, bon, on ne tombera pas à 2, à 2 mégas, mais on se rapprochera, d'accord, et à chaque fois à chaque tour de boucle, on perdra quelques pourcentages, et vous allez voir que finalement ça devrait bien se passer. Parfait. Donc ensuite on va tout simplement maintenant euh, réouvrir l'image, la nouvelle image, d'accord Celle-ci, que je vais sauvegarder là, et voir à nouveau si elle fait plus ou moins de 2 mégas et recommencer la boucle. Ainsi de suite. D'accord Donc maintenant on va réouvrir l'image. Donc pour réouvrir, on va faire donc euh, foncimage égal donc open ici euh, exactement comme en haut en fait hein, en réalité c'est image open pardon hop image open et ici du coup on va faire ça qu'il faut que je mette d'ailleurs entre guillemets sinon on va avoir un petit souci à partir de là on va vous comparer avec ta image donc on va refaire ça tout simplement d'accord et on va vérifier que c'est bien fond image Non, ce ne sera pas Funk Image, pardon, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ici. Il hein. faut que je travaille sur le fichier et pas sur la, la variable. Donc, ici, on va faire comme ça. Zut, décidément, j'ai des soucis avec ce clavier. Les touches ne sont pas au bon endroit. Voilà. Donc, ici, exactement comme là-haut, on revérifie que le, le timing, enfin, que, que le poids soit là. On écrase par la même occasion le poids d'origine, ici, comme ça, ben, il va actualiser notre boucle et normalement on devrait être plutôt bien alors ce qu'on va faire euh, dès maintenant c'est tout simplement sortir ici et on va faire un petit print pour savoir si oui ou non notre image a été modifiée donc on va faire par exemple pour printer l'adresse de l'image euh, du coup on va pouvoir euh, lui donner une info euh, je suis en train de chercher ah oui on va une dernière chose quand même ici on va faire ouvrir fichier et on va lui mettre tout simplement que ouvrir fichier ça correspond à image article temp.jpg. Alors pourquoi Eh bien c'est tout simplement que ici on a notre image par exemple qui fait 5 mégas. D'accord Si elle fait plus de 2 mégas, elle va passer à la moulinette et elle va désormais s'appeler image article temp. D'accord Jusqu'à là, pas de souci. Sauf que ici, moi quand je vais vouloir envoyer mon image directement sur internet, il faut que je lui envoie la bonne image, l'image trafiquée d'accord, et pour cela, bah, le mieux c'est encore d'effacer le chemin d'accès principal, qui était d'origine mais qui était trop lourd, par celui qui est plus léger, tout simplement, d'accord donc si on fait ça après, moi je sors du while, et donc en dessous le while je vais pouvoir faire tout simplement un print ici, et on va faire euh, ouvre fichier voilà. Et donc, il y aura deux options. Ou il me met le nom habituel de mon image, c'est-à-dire, euh, par exemple, moi je suis dans euh, téléchargement euh, news ou quelque chose comme ça, c'est là où j'ai mes images, d'accord Ou alors, il me mettra dans le nom de mon dossier où j'ai euh, test wp. D'accord Donc là, je vais sauvegarder, bien sûr. Par contre, ici, je vais changer de dossier, puisqu'effectivement, eh il va falloir que je lui indique dans quel dossier il va devoir trouver euh, l'image modifiée si jamais il y a besoin. Donc, je vais faire CD, et je ne sais plus dans quel dossier je suis. Projet 3, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. Projet 03, il le retrouve. C'est magnifique. Très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer mon programme une nouvelle fois. Il le lance. On va faire une ouverture. Alors, on va vérifier ensemble les différents fichiers images, d'accord Donc on va faire détail. Ici j'ai bien mes poids, d'accord Donc bah, tout ce qui est en dessous de 2 mégas je le vois bien. Ici par exemple barang, je vais afficher barang. Et il m'affiche bien ici que c'est bien dans des downloads, news, barang et le nom de l'artiste. D'accord Maintenant je vais prendre une image qui est un peu plus lourde. Par exemple ici, UB40 avec Champion, extrait d'un album qui va pas tarder à sortir. Et il me met bien l'adresse de l'image pour l'envoyer le, sur Internet. Ce sera bien image point, euh, enfin, article temp, tout simplement. Ça n'empêche pas qu'ici, il m'affiche bien l'image, d'accord Donc, en fait, quand on va récupérer euh, l'information, nous, sur notre nouveau... Enfin, euh, quand, quand on va faire après Envoi, d'accord Ici, on va récupérer toutes les infos qu'on a nommées, euh, tout, tout en version HTML, avec les tags, avec tout ça. et eh bien, il va nous prendre... Cette adresse-là plutôt que de prendre cette adresse-là, tout simplement. Voilà, on a fini donc. Eh bien, la prochaine fois, on récupère toutes les données qu'on peut avoir. OK Et à partir de là, bah, devinez quoi On va tout simplement envoyer notre article enfin sur Internet et voir si ça marche. C'est cool hein Bon, bah, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à liker parce que ça fait du bien. Et puis pensez à laisser un petit message parce que ça fait plaisir. Allez, à tout bientôt.